Radio-Télévision L'Asile, la télévision qui est à votre service. Autorités civiles, politiques et policières, délégations de différentes chapelles venues de partout, distingués, invités en vos titres et qualités considérées, sœurs et frères, bonjour et bonne fête. Convoqués par Dieu sous la mouvance de l'Esprit-Saint pour célébrer notre foi en ce jour béni, nous ramène les bienfaits de Dieu à la gloire d'une femme qui a eu un rôle éminent dans l'histoire de l'Église. Il s'agit de Sienne Catherine, née à Sienne en 1347 au sein d'une famille très nombreuse. Elle mourut dans sa ville natale en 1380 à l'âge de 16 ans. Poussée par une vision de Saint-Dominique,
Elle entra dans le tiers-ordre dominicain, en demeurant dans sa famille, et se consacra à la prière, à la pénitence et aux œuvres de charité, surtout au bénéfice des malades. Comme Catherine, chaque croyant ressent le besoin de s'informer au sentiment du cœur du Christ pour aimer Dieu et son prochain, comme le Christ lui-même aime, et nous pouvons tous laisser notre cœur se transformer et apprendre à aimer comme le Christ. Dans une familiarité avec lui, nourrie par la prière, par la méditation sur la parole de Dieu et par les sacrements. Catherine appartient-elle aussi à ce groupe de saints d'Eucharistie? Chers frères et sœurs, l'Eucharistie est un don d'amour extraordinaire que Dieu nous révèle sans cesse pour nourrir notre chemin de foi, renforcer notre espérance, enflammer notre charité pour nous rendre toujours plus semblables à lui. À l'exemple de Catherine de Sienne, apprenons à aimer avec courage, de manière intense et sincère, le Christ et l'Église. Chers frères et sœurs, à l'époque où le monde, spécialement notre cher Haïti, se trouve profondément bouleversé par les problèmes de toutes sortes, que ce jour qui se veut plus de prière que de fête soit pour nous une opportunité pour passer au crible de notre foi. Sa vie était très courte, mais très riche en contemplative. Cette Catherine l'a vécu dans un pèlerinage, mieux sur le chemin de la croix à la suite du Christ. Que son exemple nous apprenne à l'aimer un peu plus, non seulement de parole, mais aussi par le témoignage de notre agir. Que le Christ nous aide tout au long de cette célébration à assumer notre condition de vie et nos petites épreuves. À présent, priez de vous lever pour entonner le chant d'entrée avec la chorale. Pour nous implorer miséricorde, bon Dieu, sur le pays d'Haïti,
On a la prière pour la paix dans le pays nous et pour la paix dans le monde. On a la prière pour tout le monde qui est en captivité. Tant que vos frères prêtent nous avec religieuse là et avec frère avec ce nous. On a demandé, bon Dieu, nous mettre là, libération pour nous-mêmes. On a profité de la ici à tout pour nous capables de demander, bon Dieu, pour libérer nous dans notre cœur, nous. Nous-mêmes qui étions esclaves, prisonniers, pécheurs. On nous demande de guérir nous avec grâce, miséricorde. Devant mon Dieu qui a tout pouvoir, devant nous-mêmes, tout frère Maxime, on reconnaît qu'on fait un pire péché. Nous savons penser, nous savons dire, nous savons faire, nous savons refuser faire. Tout ça, c'est fou de mon vie. Et pour ça, demander à l'Esprit Saint, et qui toujours était vierge, toutes amies ont vient qui dans le ciel. Et puis nous-mêmes, tout frère Marcel, la prière, on vient en dépendant. C'est pour mon Dieu qui a tout pouvoir, qui a pitié pour nous. C'est pour pardonner tout péché de nous, pour nous mener nous dans la vie qui va bien finir. Oh.
Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour cette Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles, des siècles. Quitte l'île de Chypre pour l'Asie mineure. Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les quitta et s'en retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et y prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue envoyèrent quelqu'un pour leur dire: frères, si vous avez un mot d'exhortation pour le peuple, prenez la parole. Paul se leva, fit un signe de la main et dit: hommes d'Israël, et vous aussi qui adorez notre Dieu, écoutez, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et par les vigueurs de son bras, il en a fait sortir. Pendant une quarantaine d'années, il les a nourris au dessert. Et après avoir exterminé cette nation païenne au pays de Canaan, il leur en a distribué le territoire en héritage. Tout cela avait duré environ 450 ans. Après cela, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur a donné Saül, fils de Kis, un homme de la tribu de Benjamin, qui régna 40 ans. Après l'avoir rejeté, Dieu a suscité David pour le faire roi. Et il lui a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Et comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé l'avenue en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa route, Jean disait: celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales. Parole du Seigneur. Nous chantons ton amour.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché, mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparé par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » «
Monseigneur les vicaires épiscopaux, le Vénérable Charles François, curé de la paroisse Sainte-Catherine à Arnaud, autorité civile, municipale, politique et policière, paroissiens et paroissiennes d'Arnaud, aimerait venu de partout, frères et sœurs bien-aimés. Dans la joie et l'action de grâce, nous sommes rassemblés pour célébrer la fête Sainte-Catherine de Sienne, docteur de l'Église, ambassadrice de la paix, copatronne de l'Europe, patronne de notre communauté ecclésiale, sainte protectrice des journalistes, des médias et de tous les métiers de communication. Dans liturgie fête aujourd'hui, l'Église a proposé nous pour nous capables de méditer ce passage de l'Évangile, ça. Côté Marc avec Marie, tu es en compagnie de Jésus-Christ, mon maître-là. Dans le texte, mot action à contemplation, c'est ça qui constituait fil rouge, message-là. Marc, bon côté parle. Préoccupation, lui, c'était pour être capable, par Jésus, on accueille chaleureux pendant que il doit offrir un repas qui est très copieux. C'est ça qui est la principale préoccupation. Marie-même, bon côté pâle, il était resté très attentif pour t'écouter donc Jésus. C'est ça que fait Jésus, il dit, c'est lui-même qui choisit donc plus belle portion. Sainte-Catherine de Sienne, n'a fêté aujourd'hui, il était épousé dans la ville, attitude morte avec Marie. Il était mené en vie active, pendant que il était metté dans le service malade, pauvre, qui était une valeur préférentielle, donc pour mon Dieu, grand maître là. La vie Sainte-Catherine est profondément enracinée dans Jésus-Christ. Et c'est en contemplative donc elle était. Toute la ville est consacrée dans la prière et dans la pénitence. Son grand mystique qu'elle était. Et nous connaissons belle vision, Sainte-Catherine de même était faite. Là dans lui, Marie te présentée par Jésus. Et dans l'autre côté de Jésus, il te offrit une belle bague en échange de son cœur. Pour lui-même, Christ là, c'est époule qu'elle est. À l'exemple de Sainte-Catherine, tout croyant doit s'unir au cœur de Jésus afin d'aimer Dieu et le prochain comme le Christ. Frère avec Samuel. C'est pour nous quitter nous, convertis, pour que nous apprenions Jésus-Christ comme être là, dans la prière que nous avons fait chaque jour, dans la parole, bon Dieu, que nous avons médité, dans le sacrement que nous avons célébré chaque jour pour sanctification nous, et dans la vie communion que nous devons vivre là. Frère avec Seigneur, Sainte-Catherine, c'est au monde qui te gagne bonne relation de proximité avec tout le monde. Il te vient tourner conseiller spirituel dans ton pile monde. Même le monde qui est dans l'église, Sainte-Catherine te conseiller. Sainte-Catherine, il était très préoccupé de voir avec Sœur. Le problème de l'église n'entend pas là. Et nous connaît gros schisme qui te frappé l'Europe. Côté des guerriers de pape. Sainte-Catherine, il était en position pour lui rappeler tout le monde que le pape là, c'est le principe d'unité à communion qui est lié dans l'Église. Il était prend défense par Urbain IV pendant qu'il écrit en pile lettre à cardinaux, à Précio, pour dire que lui obéit donc pape là que considérer
comme le verso de l'Église. Dans une lettre, il est écrit, il dit, cardinal, parole ça. Vous perdez toute révérence et que vous êtes désormais et que vous faites désormais l'office du démon en vous opposant au pape. Sainte Catherine, il a une très grande influence sur l'Église catholique, n'entend pas là. Et tout souci, c'était l'unité, l'Église là. Au pape Grégoire, qui résidait à Avignon, elle lui écrivit une lettre brûlante et l'encourageant vivement à rentrer à Rome pour continuer à exercer son ministère pétrinien. Il était voyagé en pile dans le monde pour encourager réforme l'Église là et pour rétablir la paix dans le mi-temps peuple qui était souvent abri dans la guerre. Ou Sainte Catherine, l'Église est en crise, c'est à cause du manque d'intérêt pour la dimension spirituelle. Car les membres de l'Église sont trop préoccupés par les considérations temporelles de pouvoir et de richesse. Les considérations temporelles qu'elles ne nient pas doivent être en second. La conversion et la vie des croyants avec Dieu étant sa principale mission. Et nous connaissons bien les peuples croyants qui tombent dans l'activisme. Ça, c'est un gros danger lié au progrès spirituel, pour faire progrès donc dans la foi. À plusieurs reprises, Sainte Catherine lui écrit pape là pour le faire connaître. Si l'Église a un problème l'Église là, ce n'est pas dehors donc pour nous chercher. C'est dans l'Église là même pour nous capables de chercher. Les problèmes de ces membres qui sont remplis d'amour propre, d'impureté et d'excès d'orgueil. Le manque de foi, de vertu de ses membres est l'une de ses principales difficultés. Nous devons, à ce sujet, mener une guerre contre les péchés plutôt que toute autre guerre que nous connaissons dans notre vie. Comme avec Samuel, Sainte Catherine, donc lui bien parler. C'est l'Église qui a un problème. Ce n'est pas dehors pour chercher problème. Le problème, c'est en dedans l'Église pour nous capables de chercher. Pape là, évêque, père, qui dans diverses paroisses, qui a exercé le ministère, c'est en dedans l'Église que vous rencontrez le problème. Et c'est fidèle en dedans l'Église qui va au problème. C'est fidèle en dedans l'Église qui qu'on a crasé, donc ça a fait du bien. C'est fidèle dans l'Église qui qu'on a comploté donc contre eux. Mais père, malgré les difficultés, ils ont rencontré en dans l'Église, non mais ton fidèle, mais ils ont toujours été très courageux, donc dans la mission. Quand ils ont compris mes mounes, ils ont levé voix pour prêcher contre l'oppression. Côté qu'il y a injustice, abus, donc c'est ça donc que vous faites. En plus, foi fidèle, dans la communauté, pas jamais capable d'arriver à comprendre souci pastoral que vous avez. Vous n'avez pas jamais arrivé à comprendre vos responsabilités que vous avez, donc dans le temps, qui se guide, qui a mené dans le chemin de la foi. Jésus te dit, les gens qui veulent suivre moi, c'est pour le porter quoi chaque jour. Et ces paroles, ça y est, qui fait en paix, pas jamais découragé. Donc, notre mission, l'Église est confiée dans la communauté. Frère avec Sonio, Sainte Catherine, il était la prière en pile. Donc, pour l'Église là, qui était en difficulté, nous-mêmes chrétiens, peuple bon Dieu, là, l'Église, il y a un problème, qui ça nous fait? Est-ce que nous songeons pour la prière, mon Dieu, pour l'Église là? Est-ce que nous pas plutôt été à compliquer les bagailles? Est-ce que nous pas plutôt été à mettre passer guerrier
Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui puissent tourner agent de division dans l'église là? L'église là, donc il y a un problème. Tout le monde, eh bien, il n'y a pas chrétien vraiment. Tout le monde, il n'y a pas parfait. Nous sommes Jésus, l'homme de Jita sous table là, jugé du Seigneur, ensemble avec Apollo, il était une bonne décision pour laver Pierre. Pierre, il était prêt à réprimander Jésus. Jésus te dit, attention, donc ce n'est pas nous tous qui prenons. Et maintenant l'église là, donc ce n'est pas nous tous qui correct. Dans pile dans nous hypocrites en pile. Dans pile dans nous, en dans l'église là, nous jaloux. Père, comme Sainte Laïe, rencontre problème. Mais Sainte Thérèse, pardon, Sainte Catherine de Sienne, modèle l'église livrée à Mélie. Son église livrée comme un jardin, côté tout le monde qui est place. Côté nous, tout le monde comme un prochain. Côté tout chrétien qui a une responsabilité donc raisonnable. Frère avec Samuel, nous chaque dans l'église, nous avons une mission ou une responsabilité donc spécifique que nous devons donc exercer dans les mains. Dans l'église, nous devons encourager l'autre. Dans l'église, nous devons vivre dans la communion. Dans l'église, nous devons vivre dans la fraternité. Frère avec Samuel, moi je dis à la ville là, il y a un pile problème, manquerait même. Mais par François, il dit nous, un peu d'amour suffit pour guérir le monde de ses erreurs, pour le purifier de toute souillure, de toute blessure. Pendant qu'il a parlé, donc de la mère, cette Catherine, il dit nous, en l'homme, il existe deux types. L'un qui est dirigé vers Dieu et l'autre qui est égocentrique. L'amour propre qui est le foyer de tous les vices et de tout le péché, et il conduit à la séparation avec Dieu et le prochain. C'est à nous égoïste ça que nous-mêmes haïtiens nous portons dans nous, qui fait nous appauvrir pays nous, qui fait nous dilapider bien pays. Haïti est livré à l'arbitraire des puissants qui exploitent sans vergogne le patrimoine d'autrui et les sans garde dans la grande précarité. Ce sont des actes contraires aux exigences de la justice et du droit, et par conséquent exposent le pays à la dégradation et au déchirement social. Les cris de beaucoup nous interpellent dans ce pays, en ce moment si triste, marqué par la culture de la violence généralisée et la mort de la mort qui se traduit par le vol, l'oppression, la corruption, le kidnapping. Dans ce désordre social, nous condamnons sévèrement toute forme de violence faite aux faibles, tout abus de pouvoir et d'autorité qui opprime l'homme, tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques, emprisonnement arbitraire. Que les corrupteurs, les corrompus, les oppresseurs soient conscients du mal qu'ils font subir à autrui et à eux-mêmes, et qu'ils mesurent la gravité de leur action. Dans ce cas, l'Église, qui a l'impérieux devoir d'accompagner le peuple haïtien dans ses souffrances et dans ses angoisses, doit éveiller la conscience des incriminés afin de prendre conscience du mal dans lequel ils s'installent et de ses conséquences généralisées. Ce sont les élites et les classes dirigeantes qui sont responsables de cette situation sociale alarmante et dégradante causée par le non-respect du droit et de la justice.
Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, le pays dans lequel nous vivons, le droit est jeté par terre et la justice a le goût d'absinthe. L'Église, dans sa mission, doit faire sienne les témoignages de Sainte Catherine pour prêcher la paix, pour faire respecter le droit et la justice. Quand l'anarchie s'oppose à la vie, seule la justice permet d'établir l'ordre. Le droit et la justice, c'est deux réalités qui sont indispensables pour un pays qui est capable de la paix, pour être capable de gagner une stabilité. Si nous ne faisons pas souci de ça, si nous ne travaillons pas pour faire respecter le droit et la justice, pays a l'idée pour connaître une ruine impagable. Hier, nous avons connu une Haïti prospère et paisible. Aujourd'hui, ce beau pays est infesté de l'intérieur par des injustices graves touchant à toutes les structures sociales. Injustice dans le marché, injustice dans le tribunal, injustice dans la famille, injustice même dans les lieux de culte. Frère Marc Samuel, beaucoup rendent légitimes les actes d'injustice ou accroître leur fortune. Dans notre pays, le phénomène de kidnapping devient un instrument de mort et est canonisé comme moyen de gain. Nous condamnons de toute force l'insouciance des autorités étatiques qui ne prennent aucune disposition pour éradiquer ce mal dans le pays. Leur silence coupable, leur complicité donne lieu aux acteurs de justice de mieux extorquer des rançons et occasionne la montée grandissante des gangs armés dans le pays. Le droit et la justice sont complètement bafoués, bouleversés et dévastés. Les actes de justice empoisonne les pauvres gens, mais ceux qui sont responsables de la sécurité publique se condamnent à mort aussi en ne pas pratiquant le droit et la justice. Ils font preuve d'un manque manifeste de bon sens. Comme avec Saint-Denis, c'est la vie de notre pays, côté nous, un monde qui a dirigé, monde qui gagne de ce peuple-là en main, devant sa patte passée, qui a crasé la vie du peuple-là, depuis nous, il n'y a pas aucune disposition au prend pour freiner ça, c'est parce que il a accepté, c'est parce que il a dit qu'il a fait continuer. On peut faire demander, vous mettez à vie de recherche, devant un paquet de monde qui a fait crime dans le pays, il y a un dit à chercher. Donc c'est menti. Moun sa yo, yo sait qu'il est, j'en ouvre. Moun sa yo, fait ça yo vle, l'op nan pays. Moun sa yo, c'est eux-mêmes qui fait la loi. Bandi nan pays, c'est eux-mêmes donc qui fait la loi. L'État nous a, donc il fait. Par contre, quelle décision ça va prendre pour finir avec insécurité ça, donc qui très grave. Donc dans le pays, les gens qui ont fait kidnapping, ils ont affirmé, nous entendons ça sur les réseaux sociaux. Ils ont fait conférence de presse, toute la République, le monde entier, donc attendu. Ils ont localisé pour qui ça, l'État n'a pas pris décision pour contraindre les gens à faire exactement l'honnête, donc ils ont fait pour avoir fait sérieux. C'est l'État dans tout ça qui a passé, qui grave dans le pays ça. Si un pile monde qui a une responsabilité morale dans le pays ça, il aurait été à garder les bagailles, je vais passer.
j'en passe là, c'est comme si on t'a dit nous, donc on va associer tout dans nos bagages là. Donc c'est pas possible pour nous vivre dans un pays côté monde pas de droit, côté monde pas capable de faire une justice, côté monde pas capable de vivre donc dans la paix. Trop de conditionnement, trop d'injustice, trop de crime. Donc toute personne qui pratique les injustices sociales, ce style du poison mortel dans son propre univers de vie, un poison qui finira par la terre lui-même. Par conséquent, tous ceux qui bafouent le droit et la justice sont des personnes insensées et déraisonnables. Toute perversion de la justice et du droit est un facteur de désordre et de ruine, des actes déraisonnables et autodestructeurs, des actes insensés et stupides. Nous invitons les acteurs de crime et d'injustice à chercher Dieu en rétablissant le droit. Si nous voulons avoir un avenir paisible et juste, nous devons nous engager dans un véritable combat contre l'injustice qui est un acte de décréation. Dans tout pays, dans toute société qui n'est pas bâtie sous la justice et sous le droit, pays ça, c'était pas fini, donc là, c'était pas fini, donc c'est péri, donc la péri. Les autorités de l'État, comme tous les citoyens du pays, doivent prendre conscience quant à l'urgence et la nécessité de la justice sociale pour mieux comprendre les exactions que nous dénonçons. Dans fête Sainte-Catherine, je dis, nous célébrons. Donc nous souhaitons pour nous un État modèle dans le pays. Un État qui prend responsabilité auprès du peuple là, Jean-Claude doit faire. On est là qui prend le travail avec ardeur pour le progrès et l'avenir du pays. On est là qui prend le travail pour garantir la sécurité publique et pour garantir la paix. On est là qui va exercer fonction dans l'honnêteté. On est là qui est ouvert au dialogue. On est là qui va prendre décision pour que les valeurs républicaines prennent le dessus sur les intérêts de clans et de partis, et que les valeurs humaines emportent sur les pratiques puantes, barbares et mortifères. À ceux et à celles qui s'y engagera, nous les invitons à écouter ces belles paroles de Sainte Catherine de Sienne pour ne pas répéter même erreur qui fait et qui te confait dans le pays. Je veux bien que tu vois ton néant, ta négligence, ton ignorance, mais je veux que tu les vois non pas dans les ténèbres de la confusion, mais à la lumière de la bonté divine que tu trouveras en toi. Frère avec Seigneur, nous te sommes écoutés dans la deuxième lecture, la messe là. Nous tous nous sommes petits, bon Dieu qui a miséricorde pour nous. C'est ça qui fait patience pour aimer nous. Bon Dieu, c'est lumière liée, il n'y a pas de ténèbres dans lui. C'est ça qui fait Jésus, il dit nous c'est celle. Nous c'est lumière terre. Nous tous qui sommes citoyens, faut nous connaître qui laisse nous pour payer nous et qui laisse nous donc pour le monde. Tout ça n'a fait, donc en cachette, c'est le péché qui est enraciné dans nous qui fait nous faire. Et ça n'a fait au grand jour, nous faisons comme petit bon Dieu qui c'est lumière dans terre. Amen. Faisons avec Seigneur. Pays, il y a un pile problème. Et telle fête là, il dit, Sainte Catherine, la prière bon Dieu pour nous, parce que donc nous en misère. En prend conscience, pays, il en misère tout bon vrai. En prend conscience, tout bon vrai,
sécurité grave qui plane dans ce pays. En prenant conscience, pays ça, pas de justice. C'est justice chaque jour qu'a fait. En prenant conscience, droit monde pas respecté dans le pays ça. C'est tout problème ça. Et nous voulons remettre, mon Dieu, nous faisons là, par l'intercession de Sainte Catherine, pour nous capables de jouer des livres. Au pays, nous capables de libérer pour tout le monde qui fait l'autre à vivre en captivité, nous capables de jouer une conversion pour nous changer, pour nous pas périr. Et pour le monde qui est en captivité, nous même tout, nous capables de libérer. On nous demande, comme être là, pour lui bénir notre pays d'Haïti, pour le bénir la communauté Ajoa, pour le bénir tout le diocèse en savant, donc Miragouane, pour le bénir donc ministère Père, et que Sainte Catherine, lui-même, bon côté de mon Dieu, intercède pour nous sortir dans la misère que nous y a. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, levons-nous et professons notre foi dans le Seigneur. Je crois en un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu.
Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, présentons toutes nos intentions de prière au Seigneur pour l'Église, pour les besoins de notre pays, pour les malades du monde entier et pour nous qui sommes en train de célébrer la fête de Sainte-Catherine de Sienne. Ensemble, prions. Demandons au Seigneur de les guérir, de leur cécité spirituelle, afin qu'ils témoignent partout que le Christ est la lumière du monde. Prions le Seigneur. Et pour tout si la yo qui pa gen chance la manie, sa yo qui très éloigné, mais qui a pu belle fête ça dans le cœur et à travers les réseaux sociaux. N'a pas de remettre là, la misère côté, pour toujours combler yo, à force les mains, et pour le bayo plus courage, de quoi pour yo qui le fait, et témoigner près d'elle, même Jean à Saint-Catherine. Te témoigner là, ensemble, en l'air.
dans le cœur nous, en bon pensée qui très spéciale. Pour Père, religieuse là, tout le monde qui est retenu en captivité, en nom de bon Dieu, pour les capables de libérer. En même temps, toi, nous songer, Léon Rosemont, qui a célébré l'anniversaire aujourd'hui. On nous l'a prié, donc pour Kétia, Guy, ensemble avec Kétia de Bervo. On nous demande, bon Dieu, grâce pour eux. Prions encore le Seigneur. Seigneur, en la fête de Sainte Catherine, écoute les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Oui.
le moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons à la fête de Sainte-Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur. En Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond notre peur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est ça est juste et bon. Vraiment il est juste et bon. À toi Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour. Pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toutes les choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Non, mais tu n'as pas trahi là, Jésus prend payant, les dix commerciers, les pédérés, les cassés par les partisans, les tigres, en manger la donne tout. Réellement fait, ça c'est au moins ma paille pour nous. Même j'entends les filles manger, les plantes à l'islam. Les donnent dit vous merci, les bails partisans, les tiyos. Prends, ouais, là dans nos tours, réellement fait, ça c'est sans moi. C'est sans l'autre contrat qui va là pour tout le temps, c'est sans qui va couler pour nous, et pour tout le monde, pour pardonner péché. Fais ça, pour nous songer moins. Il est grand le mystère de la foi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'elle y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang. Et rempli de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, et dans ce monde entier, le salut et la paix. Affermi la foi et la charité de ton Église au nom de son chemin sur la terre. Bénis ton serviteur, le pape François, notre évêque, bien entendu, Dumas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple d'Arrache-Pierre. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons d'être comblés dans ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance et espérance la prière que Jésus le Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous aussi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi, Jésus. Comme avec Samuel. Nous sommes contents de faire là. On ne veut saluer l'autre pendant la respecter geste barrière. Oh,
réponse pour mon saillot. Jésus-Christ comme être là invité à manger dans le repas. Mais Jésus, mon bon Dieu, les mêmes qui ont été péchés sur terre. C'est pourquoi ça, Jésus-Christ, soutenez-nous pour la vie qui va bien. Yes.
la presse parlée, écrite et télévisée. Père, le revenu de partout, très cher à l'audience, distingués invités, vos titres et qualités considérés, disciples de Sainte Catherine, bien chers tous et toutes, bonsoir et bonne fête. Convoqué par Dieu sous la mouvance de l'Esprit Saint, en ce 29 avril, nous voici une fois de plus, comme de coutume, ici rassemblés où cette portion d'église se trouve de seul cœur avec l'Église universelle pour chanter et magnifier le Seigneur. Malgré les circonstances du moment où le kidnapping bat son plein, l'insécurité domine de toute sa force, le respect de la vie et des biens d'autrui, la perte des valeurs morales, l'insouciance des responsables, nous nous retrouvons en ce grand jour qui nous est très cher, d'abord comme chrétiens authentiques et ensuite comme disciples de Sainte Catherine. C'est le temps de grâce qui nous est arrivé, oui, c'est le temps de grâce. Nous sommes dans un moment de profonde concentration à la prière parce que nous sommes en danger, nous sommes menacés. En dépit de tout, Dieu veut encore notre bien. Il nous permet d'être là aujourd'hui en Église pour contempler ses bienfaits. Pour cette merveille, nous ne pouvons que dire tout d'abord merci à Dieu, maître de l'histoire, qui nous a permis, que nos santé, nos moyens nous aient permis de répondre généreusement à cette humble invitation. En nous disant Dieu merci pendant la bague à vous. Nous nous permettons ensuite d'exprimer notre profonde reconnaissance à l'endroit du Père Volsi, président de cette célébration qui nous a délivré un beau message approprié avec le moment actuel. Nabdi, merci Père Volsi parce que vous aidez le peuple bon Dieu à qui l'a. Pour nous capables de prendre destin au sérieux. Et message vous après arriver loin, il va toucher les oreilles, il doit toucher. Et en pile dans responsable qui là pour nous capables de prendre responsabilité nous pour nous faire département marcher pour bien une fois que département lui-même marcher le ça pays à la long souffle. Donc, bravo pour Père Volsi. Bravo pour Père Volsi. T'as dit le message ça. N'a pas un merci spécial à tous les confrères qui sont ici. Bon, d'abord, vous venez là. Vous venez célébrer ensemble avec nous. Jean-Moumaï est là. Jean-Moumaï est là. Panique, tribord d'abord. Eh bien, vous faites le déplacement pour vous venir là. Si vous êtes bloqué, et si ce n'est pas bon Dieu, il n'y a pas de bloqué. Mais vous venez là. Donc, nous avons dit merci. Mais juste avant, je vais présenter nous l'un après l'autre. Nous avons commencé ici avec eh bien, Père Fridnel. Lui-même, nous travaillons dans la paroisse Fondenègre. Nous gagnons Père Casimi, la travail, qui bon? Nous connaissons? Ah oui! Nous gagnons Père Maurice Massin, qui a travaillé Sainte-Thérèse, Sainte-Hélène, l'arrivée de Vieux Bout, ou rentrer en dedans pour aller dans la paroisse. Ou bien Père Faustin Papa Tout, qui travaille dans la paroisse Savanari. Et nous gagnons Père Clément Jean Elicio, qui travaille du monde. Nous gagnons Père Mazil Kesnel, qui travaille dans la paroisse Randel.
Nous avons un père fils Marc Frednel qui, pour habillement, la travaille. Gros parle pour garçon. Nous avons un cunier qui a campé. Tout le monde campé. Parce que nous allons présenter nous deux mon Seigneur. Et qui te travaille pour nous saluer aujourd'hui. Il y a baptisé un pile dans nous là. C'est Monseigneur Labi et Monseigneur Grandjean. Eh bien, bravo pour vous. Bravo pour vous. Bravo. Donc, nous mettons Chita. Il y a un gros travail d'ancien. Pour nous devenir une paroisse. Pendant que mon Seigneur a commencé, le travail a commencé. Et mon Seigneur Grandjean a atterri. Ok? Mon Seigneur Grandjean a atterri. Si nous avons une paroisse, après bon Dieu, avec mon Seigneur et Verrier, et c'est Yodéa. Nous avons continué la prière, bon Dieu pour vous, pour le travail que nous avons fait. En dansia nan Arnaud. Nous avons Père Wisley Jean-Charles, qui est un responsable UNDH dans le diocèse. Nous avons Père Jonel, qui est curé paroisse, Bergerac, et puis hier soir, il était là, et bien, il était fêté dimanche, là, bon berger. Et qui sont paroisse, l'offre qui était pour saluer ou parler en bas la côte, ou jouer une paroisse. Ça, nous disons merci pour la présence. Et lui-même, depuis nous, petit petit ensemble, nous faisons bien toute classe ensemble, nous entrons dans le séminaire ensemble. Ça veut dire, depuis longtemps, nous bien qu'on est ensemble. Nous gagnons Père Altidor, qui c'est la paroisse vigile liée. Nous avons Père Aniel, paroisse Pogi, l'orivetti vio monti. Nous avons Père Bensinov, qui a travaillé, qui a collaboré dans la paroisse Bouzi avec Père Télémac Claude, qui s'est curé paroisse. Vous y, yo tout de là. Nous qui Père Didier, qui lui-même n'a travail n'a paroisse, Sucrerie Henri, ou entré. Nous qui Père Renel, qui a travail n'a paroisse B12. L'embral la marche fond des nègres, les chalons te kon bloqué, nous passer devant paroisse dia. Nous songez, mon qui kon la marche fond des nègres yo. Et nous qui Père Jean-Claude Enol, qui travaille dans la paroisse Chirette. Et nous gagnons Père Rolsi, qui travaille dans la paroisse Tirivière. À mon moment, pas qu'on a le Miragouane, pas qu'on a la paroisse Tirivière. À mon moment, pas qu'on a le Miragouane. Si on ne peut pas avoir le Miragouane, chercher le Miragouane, et qu'on arrive pour qu'on paroisse côté Père Rolsi lui-même. La travail là. Donc bah, bravo pour vous, bravo. Ça qui est important, c'est que en pile de confrères père, nous là, nous sommes dans le diocèse au Gaï. Et même en bas la côte, pour venir là. C'est pour la première fois, vous venez dans Arnaud. Vous venez connaître, eh bien, qui côté Arnaud est. Vous venez voir combien de monde qui gagne à l'eau, si vous avez un peu monde, eh bien, vous voyez l'église à Paris. Merci, bon Dieu. Il va vite. N'a pas dit merci, n'a pas dit à Béa, vous merci. À Béa qui pote fête là sous dole, qui prend le soin de préparer fête là, et de préparer tout le monde ça, qui te soutient, tout le monde l'école là, qui te soutient. Un bat bravo pour aller avec élèves l'école.
Donc ça c'est produit par nous, nous pas prêter. Nabdi, même lorsqu'il parle, c'est un cadeau, merci. Nabdi, magistrat commune, magistrat Jean-Louis, merci avec et bien tout collaborateur. Il est là, il est ensemble avec nous, toujours là, ensemble avec nous, dans la fête là. Elle toujours supporte nous, elle supporte l'église, et bien, quand il y a besoin. Nabdi, commissaire gouvernement en Savoie, Marie-Claude Nertilus, merci pour présence, merci pour support, merci parce que vous sont membre de l'église là. Nabdi, merci à l'ancien député nous, Wilnegerville. Merci magistrat Nestlé Marchena, magistrat petit frère, commissaire Ken, monsieur magistrat Jean-Alex Cécile, juge Titi qui est là ensemble avec nous, qui sortit en Savoie. C'est doyen parquet en Savoie, Livini, pour le capable de fêter ensemble avec nous. Nabdi, Maïsra Liège, tout, merci. Nous gagnons directeur, inspecteur, immigration, dans Miracle, dans la classe avec nous, nos amis. Donc, nos amis de l'église là, qui nous fait ça, nous aller pour nous capables de faire passeport, des papiers, même 8 jours pour le fête. Eh bien, il fait rapide. Donc, à l'Omeni, qui est ensemble avec nous. Nabdi Pélange, merci, qui a travaillé dans le consulat, c'est nos médecins, qui est ensemble avec nous. Malgré que ça ait été lié, il est venu pour vivre fêter avec la caille. Donc, la présence nous est importante. Nabdi, juge Moïse, qui est ensemble avec nous. Qui est bienvenu tout le temps ensemble avec nous pour le fêter. Donc, nous tous déjà, merci. Merci, policiers, commissaires, qui font un travail superbe, colossal, gigantesque, en d'un commune, pour mettre l'ordre dans les autres, pour nous faire tout, net qui paye bien, ranger le coyo, pour être capable de ranger le coyo, en d'un commune, pour gagner la paix. C'est-à-dire, ça parle normal, ranger quoi? Parce que faut que les gens l'autre. N'a pas de spécial pour Fidèle Pawas Baki, qui est dans la diaspora, et ses amis qui aident en pile. Nous faisons ça. Nous avons Flavie Canéus, Archange Frédéric, Laurette Frédéric, Chantal Frédéric, Ketia Bastien, Marie-Lucette Frédéric, Francesca Frédéric, et nous remercions tous nos amis qui sont au Canada, c'est Marie Shelton Célestin. Et nous disons quelques petites paroisses là, petites communautés qui sont dans la diaspora, tout le monde merci. Birel Edmael, Josette Edmael, Micheline Alexandre, Erasme Talbot, Anthony Jean, Bernard Féguier, Jude Désir, Herbie Alexis, lui-même, qui bien, dit nous, il y a un club, il dit nous tout ça nous besoin en d'un club là, il met tout disponible pour service l'église. Nous disons nous merci, même lorsqu'il n'est pas là avec et bien, pas nous qui vient dans le pays, mais il tire nous pour dire. Li excusé pour absence li. Merci comité nettoyage là qui fait gros propreté pour faire cette Catherine te pour faire la te capable belle. Nous gagnons dans comité ça madame Silem, Eliane Major, Yvose Bellevue, madame Mondi, Sonson, c'était l'homme
Alexia, Alexandre, puis Jean, Tété, Daniel Yo. Un gros merci pour le monde qui a aidé nous, Joël Kishoy. Merci à tout le monde qui a travaillé pour construire l'église là. Merci, Madame Solongo, pour décoration ça avec toute l'équipe depuis hier soir et passer toute notre langue pour être capable de décorer l'église là. Merci tout le groupe à quoi la paroisse là, membre du comité d'accueil, enfants d'accueil, Kiro, équipe mission. Merci Chapelle, Moku, Moïsa, Moutaï, Kaye, Benjamin, Majuré, Kaïtas, Paroissial là. Merci mon qui était pour être là, la position organisée. Donc, on nous dit, Père Charles, et merci. Vous prenez nous-mêmes le voyage de vous. Soit jamais une bagarre comme ça va faire. Ça veut dire nous aller pour aller avec les biens, ça nous allons nous mettre de côté pour nous montrer mais comment mais ça à nous. Napti non c'est pas violent non. Napti merci à Radio Flamax qui mettez nous en direct. Merci cathédrale en Savo qui me permet tout côté petite communauté là. Petit jeune homme lié, il y a ville messe là sur page Facebook paroisse là. Merci à Radio Vision Nip et bonne fête parce que jeudi a c'est fête Radio Vision Nip et nous souhaitons bonne fête à bien toute équipe là Télémil, Metnounous, PDGA et député ancien député Solon et avec tout l'autre monde qui travaille dans la radio. Merci paroisse Ravine d'Agen qui est bien mette nous tout en direct. Merci Radio et Télévision L'Asile qui l'a ensemble avec nous qui a permis bien non seulement nous vivre merci là en direct, mais après, et bien, ça qui t'a dormi, nous ça qui était bien dans l'autre occupation, après vous avez le temps de merci là. Vous pouvez attendre qualité message et bien voici lui-même de délivrer dans circonstances. Merci à chorale là qui chante. Est-ce que nous sommes d'accord? Bat bravo, bravo. Donc son chorale qui compte chanter. Oui, il compte chanter. Et vous montrer, vous qu'on chante. Merci à musicien Jean-Marc qui est toujours là ensemble avec nous. Merci Jean-Rony qui est bien, pas jamais la nous, qui sous tamboul et la veillé à gauche à droite pour et bien capable mettre son, donc c'est ça. Merci Jean-Robert qui est bien venu rejoindre nous. Pour capable accompagner dans la messe jeudi. Merci à tous les professeurs eux-mêmes qui collaborent pour faire la même les capables. Donc lis la longue. Nous entend parler en pile. M'bap trop longue encore. Si on prend longue là, à nous qui vient là, on va prendre même 30 minutes. Eh bien, dimanche, je vais citer tout le reste dans yo. Et je vais dire merci à son dégage, nous déjà planifié là, à tout le monde qui contribue pour faire la tête capable. Et je profite pour dire merci tout à deux amis nous qui là, c'est Michel Desil avec Cléane qui là, qui sortit
eh bien, sous paroisse, Bouzi qui vient fêter ensemble avec nous. N'a pas dit merci à Mam Accueil qui a fait un gros travail, qui n'a pas jamais lagué. N'a pas dit merci tout à Kiro, qui c'est de bons soldats, qui est toujours là pour être capable de faire le travail. Une autre fois, n'a pas dit merci à nous tous et nous chaque, à tous ceux qui t'a voulu là, mais qui n'est pas capable. Nous dit un grand merci et nous croyons que faites ça. Bon Dieu là, et bien enrichi avec et bien grâce divinité là. Nous leur fois encore nous dit nous merci, merci et mille merci que bien la balade. Nous gagnons. Maître petit frère lui-même, pas seulement professeur douanier, mais il sait écrire tout. Il écrit un livre, Droit de l'environnement. Alors, il va faire 20 signatures après Messla dans la mairie. Qui donc, tout le monde qui est intéressé, tout le monde qui remet lecture, tout le monde qui remet droit à l'acheter livre, il va vendre 1000 gouttes. Mettons 1000 gouttes dans la poche nous pour nous encourager les gens écrits. Eh bien, magistrat, petit frère, il écrit là, il obtient nous pour nous capables d'encourager. Si nous pas acheter le livre là, c'est que nous disons. Il n'y a pas de besoin de pas ça. Mais si nous achetons, nous disons, continuez à écrire encore. Alors, là, nous tous nous chats. Après la messe là, on goûte pour un peu de monde. Père, des invités et un peu d'autres monde. Pour joindre la chapelle nous, directeur chapelle nous. Pour yo jouer un petit choy avant yo aller. Je dis me quitter ça, m'aller une prochaine fois. Mon Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu tout-puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez à quel content. Nous souhaitons une autre fois bonne fête Sainte-Catherine, bénédiction pour Dieu pour nous les années. Radio-télévision L'Asile, la télévision qui est à votre service.